Aujourd'hui, on est à la troisième édition de la Bourse aux stagiaires. Et donc, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est que cet événement. C'est un événement pour favoriser la vie du stagiaire. Nos masters qui sont en formation dans l'établissement ont besoin de faire un stage. Et pour eux, on a trouvé que c'était beaucoup plus simple de faire venir les recruteurs à eux afin qu'ils puissent trouver plus facilement un stage. L'intervenant présente ses offres de formation sous un format très particulier. C'est le premier pecha-kucha qu'on fait à l'INSEP. Il a 6 minutes pour présenter. Et puis derrière, si les stagiaires sont intéressés, il peut les rencontrer sous forme de speed dating où le stagiaire vient avec son CV et sa lettre de motivation qui ont été travaillées pendant le mois de septembre pendant les cours. Alors il est vrai que les recruteurs font leur intervention en plénière avec les étudiants, mais ensuite ils vont en speed dating pour convaincre les étudiants de venir chez eux. Alors on va tout de suite découvrir ça. Quel est l'intérêt de travailler avec des sportifs de haut niveau ? C'est par l'apport et la réflexion des jeunes entraîneurs, de la réflexion de ce qui change dans les métiers de l'entraînement, et c'est ce qui est conceptualisé au niveau de la formation du master, qu'on doit faire passer aussi ces évolutions dans les pratiques professionnelles. Donc le travail de formation et de réalité professionnelle sont indissociables. Bonjour Ania, alors qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Christine Rey d'organiser cet échange ? Je trouve que c'est assez formidable parce que d'une part ça permet aux étudiants d'avoir un fonds de stage assez conséquent, ça permet aussi de faire un réseau tout simplement parce qu'on est au sein de l'INSEP, mais ça nous permet de découvrir plein d'opportunités différentes, notamment pour les spécialistes de discipline d'aller chercher dans d'autres disciplines et dans d'autres thématiques, donc c'est très très riche de ce côté-là. Ouais.